Le drapeau ukrainien hissé à l'entrée de la ville de Liman, symbole d'une contre-offensive qui se poursuit dans l'est de l'Ukraine, malgré l'annexion de plusieurs régions par la Russie, au terme de référendums contestés par la communauté internationale. L'avancée ukrainienne va se poursuivre, a déclaré Volodymyr Zelensky samedi soir. Le drapeau ukrainien est déjà à Liman, dans la région de Donetsk. Des combats s'y déroulent encore. Mais il n'y a aucune trace d'un quelconque pseudo-référendum là-bas. C'est logique pour l'Ukraine. Et pour l'ennemi, il y aura de plus en plus de faux pas de ce genre. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à se mordre les doigts là-bas. Ils cherchent des coupables, accusant certains généraux d'être responsables des échecs. De son côté, la Russie évoque un retrait tactique de Liman. Malgré les pertes, disposant d'une importante supériorité en force et en moyens, l'ennemi a fait venir des réserves et a poursuivi l'offensive dans cette direction. En raison de la menace d'encerclement, les troupes alliées ont été retirées de la colonie de Krasny Liman vers des lignes plus avantageuses. Dans un message posté sur Telegram, le dirigeant de la République russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a ouvertement critiqué les généraux de l'armée russe et appelé à l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs accusé les forces russes d'avoir tué 24 civils, dont 13 enfants, dans leur voiture, près de Koupiansk, dans le nord-est du pays.